هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومعلمنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous abordons le troisième juz du Coran al-Karim et plus particulièrement un verset de Sourate al-Baqarah. C'est un verset qui est célèbre, qui suit directement le verset du trône et qui est un verset qui m'inspire tout particulièrement, donc je voulais le partager avec vous aujourd'hui. Dieu nous dit dans ce verset: La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dans ce verset donc de Sourate Al-Baqarah, le second chapitre du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un principe fondamental juste après avoir évoqué sa grandeur. Dans ce verset du trône, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dieu nous rappelle sa grandeur, sa toute-puissance, qu'il est la vie et qu'il est la source de toute vie d'ailleurs. Et puis Dieu, juste après, nous parle d'un élément fondamental. Si tu es rattaché à Dieu, au Tout-Puissant, rappelle-toi que ça doit te faire naître en ton cœur la modestie et non l'orgueil. Car si lui est le Tout-Puissant, toi tu restes plein de modestie ici-bas. Donc le verset qui suit justement, rappelant aux croyants, si vous êtes réellement lié avec Dieu, alors la ikraha fid din, pas de contrainte en religion. Parce que la voie de la guidance, c'est clairement défini par rapport à la voie de l'égarement. Et donc ce verset est un verset qui devrait apaiser le cœur justement de tout croyant, en lui rappelant qu'il ne peut y avoir d'imposition dans le domaine de la religion. Ce verset d'ailleurs est révélé concernant un père dont les enfants suivaient la religion des gens du livre et qui, lorsqu'il se convertit, voulut imposer à ses propres enfants de suivre l'islam. Et le verset vient rappeler cela à ce père: tu n'as pas à imposer ta conviction, car finalement la foi est une question de cœur, d'apaisement, d'information, d'argumentation, et donc il doit être toujours, ce cheminement, le fruit d'un choix conscient. Pas de contrainte en religion, car aujourd'hui la voie claire s'est distinguée de l'égarement. Et il faut mettre un peu de nuance aujourd'hui. Car si à l'époque du prophète, alayhi salat wa salam, lui qui vient avec el-balar el-mubin, avec cette clairvoyance, avec cette voie qui est clairement établie, aujourd'hui, nous ne sommes pas à la hauteur évidemment du messager, alayhi salat wa salam. Et les choses ne sont plus aussi claires qu'elles ne pouvaient l'être auparavant. Et donc elles doivent encore plus engendrer dans notre comportement de modestie vis-à-vis d'autrui, et vis-à-vis des croyances de tout un chacun. Ensuite, on nous rappelle dans ce verset que toute personne qui a renié, rejeté at-tarout, ce qui est autre que Dieu, tout ce qui est adoré en dehors de Dieu finalement, aura ses silences la plus solide, la plus ferme. Je viens à un terme justement d'ailleurs qui dans notre communauté aujourd'hui a pris un sens très négatif. C'est « al-kufr ». « Famay yakfur bit-tarout » Celui qui renie toute autre divinité en dehors de Dieu. Cela nous rappelle finalement que tout un chacun renie certaines choses, renie certaines vérités pour autrui, car finalement, à travers son cheminement, il est arrivé à la conclusion que telle
croyance et la vérité pour lui. Donc ce verset que l'on a mentionné, j'ai voulu l'aborder parce que personnellement, dans mon travail au quotidien, dans l'éducation que j'essaye de mettre sur pied, dans l'accompagnement qui est le mien de nos jeunes générations, je remarque aujourd'hui pas mal de tensions. Je remarque que beaucoup d'entre nous, lorsque nous cheminons, qu'est-ce que l'on fait finalement? On chemine ou on se construit en opposition, en réaction. Et plus en nous construisant finalement vis-à-vis de notre référent premier qui est le Coran et le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam. Et celui qui se construit sainement, il a cette lumière qui l'anime. Et il n'a plus cette crainte d'autrui. Il est ouvert finalement vis-à-vis des autres. Et tous ces discours qu'on entend parfois autour de nous, imposant aux musulmans de se marginaliser, de ne pas se mélanger, lui ordonnant parfois même de quitter soi-disant nos terres, est bien loin de l'esprit du Coran finalement, d'un discours coranique qui n'a pas peur de donner la parole même à Shaitan et à tous les opposants du prophète, alayhi salatu wassalam. Car finalement, celui qui sait qui il est, celui qui a construit son identité à travers le référent coranique, à travers cette lumière qui l'anime, est imbibé de cette force qui va rayonner autour de lui. Et il n'a plus cette crainte de l'autre. Au contraire, il va se diriger vers lui. Et donc, dans ma modeste expérience sur le terrain avec les jeunes, c'est quelque chose que j'essaie de concrétiser et que j'essaie de développer finalement autour de moi et que je vous conseille à tous d'essayer de faire. Nous reconstruire. Car il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas d'ouverture pour quelqu'un qui ne se connaît pas lui-même. Et pour nous musulmans européens, il y a donc cette nécessité de savoir qui je suis, avec qui je suis, avec Dieu, quel modèle je suis, celui du messager alayhi salatu wassalam, pour entrer justement dans ce monde de la tolérance, dans ce monde de l'ouverture, parce que finalement j'ai connu Dieu et donc j'ai compris que la diversité était une volonté de Dieu et une épreuve pour moi finalement dans mon quotidien afin de me remettre en question et de mieux me construire dans mon cheminement. Et donc comme je vous le dis, le fait de se connaître nous permet d'être apaisés vis-à-vis d'autrui. Et je citerai juste encore un petit événement lors de la vie du prophète alayhi salatu wassalam qui pour moi illustre parfaitement ce verset. Cet événement est cité dans la sirah de Ibn Hisham où le prophète alayhi salatu wassalam reçoit une délégation de Najran, de chrétiens, de Najran au Yémen. Ceux-ci viennent débattre avec le messager alayhi salatu wassalam dans sa mosquée. D'ailleurs dans le juz numéro 3, qui est celui que nous abordons, dans Sourate Al-Imran, nous abordons cette thématique justement, de cette communauté qui est venue débattre avec le prophète alayhi salatu wassalam dans sa propre mosquée. Et donc il y a ce débat interconvictionnel qui se passe dans ce lieu sacré, et on voit le messager alayhi salatu wassalam dans cette posture d'ouverture, dans le débat, jusqu'au moment où il le voit, les chrétiens se regarder mutuellement, l'heure de leur prière est arrivée. Alors que pensez-vous qu'il va faire? Si on écoute certains discours contemporains, déjà ces gens n'auraient rien à faire dans sa mosquée. Et pourtant il dit alayhi salatu wassalam à ses compagnons, laissez-les faire. Et donc cette délégation de Najran va effectuer sa prière en plein dans la mosquée sacrée de Médine. Voyez-vous la distinction finalement entre l'éducation apaisée, forte, qui donne une identité aux croyants et donc une ouverture sur le monde que proposait le prophète alayhi salatu wassalam, et parfois notre relation aujourd'hui aux religieux qui est plutôt fermée, en réaction, et qui fait donc qu'on se recroqueville sur nous-mêmes plutôt que de s'ouvrir sur le monde. Et donc voilà ce verset, ce qu'il m'inspirait finalement, et ce que j'espère qu'il pourra inspirer pour chacun d'entre nous dans notre cheminement. Et en conclusion donc de ce verset, il y a trois éléments que je voudrais rappeler. Le premier élément essentiel, pas de contrainte en religion. Donc cette notion de tolérance, d'ouverture vers autrui, qui est un
des éléments phares de cette religion, puisque Dieu nous rappelle wa law sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. Si Dieu l'avait voulu, l'ensemble de l'humanité serait croyante. Est-ce que c'est toi, Mohammed, qui va imposer aux gens leur croyance? Donc il y a cette tolérance qui est le fruit de la volonté divine dans un premier temps, car la diversité est un choix divin. Et donc aller à l'encontre de cela signifierait que je serais à l'encontre de la volonté du Seigneur. Deuxième élément, pour vivre la tolérance, je me dois de connaître mon identité, de connaître Dieu à travers le Coran notamment, à travers la création, de connaître le modèle du messager alayhi salatu wassalam à travers sa sira notamment, car quand je sais qui je suis, j'ai facile à m'ouvrir vers autrui. Et troisième élément essentiel, c'est redonner vie au Coran dans nos foyers. Je travaille beaucoup dans la mosquée qui est la mienne avec des jeunes, et dans le programme que j'ai essayé de mettre sur pied, c'est leur permettre de revenir vers le Coran et de méditer sur ces versets, d'apprendre à en reparler de manière modeste. Car comme disait un grand réformateur du siècle passé, quand on l'interrogeait sur le meilleur tefsir, la meilleure des exégèses, il disait « c'est celui qui vient de ton cœur ». Car finalement, ce Coran, c'est un message qui vient de Dieu, cette lumière qu'il envoie dans notre cœur, et que le cœur doit comprendre avant même que la langue n'exprime finalement ce qu'il a compris. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire du Coran la lumière de nos cœurs, puisse nous permettre de le comprendre, de vivre avec lui, pour concrétiser ce qu'était le comportement prophétique, comme disait Aïcha, « Kana khuluquhu al-Qur'an » puisse Dieu faire du Coran notre comportement. Wa barakallahu fikum wa ramadan mubarak. Allahumma ja'alil Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.